Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom à Palache. Cette semaine, on reçoit M. Stéphane Couture, qui est entraîneur et programmeur du sport-études, e-sport, qui se donne au cégep de Thetford. Le e-sport, si vous êtes un peu comme moi, on a entendu parler un peu, mais on ne connaît pas tellement. Alors, c'est une chose que M. Couture va nous expliquer. Alors, sans plus tarder, je le laisse se présenter, M. Couture. Bonjour. Oui, je me présente, Stéphane Couture. Je suis coordonnateur entraîneur du programme e-sport au Cégep de Thetford depuis bientôt un an. Depuis un an, ça veut dire que l'année dernière, j'avais eu l'impression que c'était commencé. L'année dernière, c'était vraiment tout le côté préparatoire du programme, les installations, les infrastructures au niveau du cégep, puis les publicités aussi pour, bien sûr, que les étudiants veulent venir s'inscrire au cégep avec le programme de e-sport au cégep. OK. Bon, le e-sport, là, on le dit en anglais, ça, oui. On le prononce en anglais. On le prononce, oui, c'est ça, généralement en ça anglais. Ça vient de Corée, mais on le dit en anglais quand même. Oui, on le prononce en anglais, mais effectivement, on connaît beaucoup le sport électronique à cause de la Corée du Sud, qui a été un milieu effervescent là, au niveau de ce sport-là depuis les années 95 en montant. Là. Bon, OK. Ça, c'est classé, mais maintenant, expliquez-nous, c'est quoi le... Le sport électronique. Le sport électronique en bon français. Le sport électronique, c'est de la compétition, comme on connaît le sport au hockey ou au football, mais on le fait, par exemple, sur les jeux vidéo. Donc, ce sont des compétitions organisées avec des disciplines de jeux vidéo, que ce soit sur ordinateur ou sur console. Les joueurs peuvent être seuls ou en équipe selon les disciplines choisies. Il y a des tournois, des événements qui sont organisés, qui sont majeurs à travers le monde. Ceux qui en vivent voyagent beaucoup, ont beaucoup d'entraînement et ont beaucoup de sacrifices aussi à faire par rapport à ça. On peut-tu considérer le sport électronique comme étant quelque chose qui va conduire à une technique? Le sport électronique, c'est pas quelque chose qui va conduire à une technique en soi au cégep ou quoi que ce soit, mais le sport électronique est vraiment comme une discipline, comme quelqu'un qui pourrait faire du ski alpin professionnellement pendant ses années au niveau des Olympiques, exemple. Il faut faire ça pendant quelques années. Après ça, ben c'est sûr qu'il faut avoir un background aussi au niveau des études. Bien sûr, nous autres, au Cégep de Thetford, on focalise là-dessus, sur le développement académique de l'élève en complément avec son programme de sport électronique. OK. Mais c'est du parascolaire, en fait. Oui. On peut l'utiliser comme parascolaire, mais comme... Comme nous, ici, au Cégep de Thetford, on l'offre de deux façons. On l'offre, bien sûr, en parascolaire, comme vous dites, mais on l'offre aussi en programme sport-études, comme le football ou le hockey pourrait l'être. Donc, vraiment, il y a des entraînements physiques, des entraînements aussi en salle de jeux vidéo, des planifications, un suivi nutritionnel, et ainsi de suite, puis comme des vrais athlètes. Puis ça va être codifié en plus, en moins? C'est un cours comme les autres? Non, c'est pas vraiment un cours, parce qu'on codifie pas non plus le football comme étant un cours en soi. C'est une discipline sportive qui amène à développer l'élève sur un autre plan. OK. Le sport électronique, comme le football, oui. Il y a des périodes qui sont consacrées à ça. Exactement. Qui empruntent à d'autres disciplines, à d'autres périodes. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Comme mettons, un joueur de sport-études en hockey aurait, mettons, ses périodes d'entraînement de hockey l'avant-midi. Il aurait une période d'entraînement physique... deux fois ou trois fois par semaine en salle avec un entraîneur physique. Il y aurait des périodes d'études obligatoires et il y aurait ses cours, bien sûr, de sa technique ou de son programme qui suit. Les étudiants en sport-études, que ce soit le hockey ou autant que le sport électronique, peuvent avoir des fois un an de plus à faire au niveau du cégep, étant donné qu'ils ont des cours qui vont enlever pour faire fitter l'horaire de façon globale au niveau du sport. C'est des cours qu'il faut qu'ils reprennent. Exactement. Ben, pas reprennent, mais qui sont juste déplacés dans la case sont horaire. Déplacés. Exactement. Alors, pour une technique, ça pourrait prendre 4 ans. Exact. OK. Et puis... ça, nécessairement, ça demande des ordinateurs. Oui. C'est des ordinateurs que l'élève fournit ou l'étudiant? Ou l'élève, c'est plus au secondaire? Non, l'étudiant n'a pas à fournir d'équipement, ou en tout cas, pas aussi au Cégep de Thetford Mines. Au Cégep de Thetford Mines, on a vraiment investi pour qu'on ait une salle extrêmement
spécialisé, dédié qu'à ça, au sport électronique, avec des ordinateurs qui sont spécifiques pour ce sport. OK, il y a deux salles d'ordinateurs comme ça. Oui, bien, c'est ça. Il y a les salles d'ordinateurs, bien sûr, de cours informatique standard, et il y a la salle de sport électronique qui est réservée à ces athlètes-là. Mais ça a été un investissement quand même assez considérable pour le Cégep? Oui, tout à fait. Le Cégep a décidé de dire, OK, bien, on mise là-dessus, on dit on y va au complet ou on y va pas du tout. Donc, on se lance à fond dans ce projet-là. Puis, bien sûr, bon, il y a eu des réaménagements structurels au Cégep, des investissements majeurs, mais je pense que en 2020, c'est quelque chose qui vaut la peine d'investir. OK. Puis l'étudiant est obligé de contribuer un peu? Ou... Oui, bien sûr, effectivement, il y a des coûts qui sont reliés à ça pour l'étudiant, comme n'importe quel étudiant qui participerait en sport-études. OK. Il y a dans le monde au-dessus d'un milliard et demi de personnes qui pratiquent ce sport électronique-là. Au Québec, on peut être combien? Niveau extrêmement professionnel, qu'on dit joueur international, là, qu'on voit dans des équipes partout à travers des gros événements, je dirais qu'il y a environ peut-être une quinzaine de joueurs, probablement de la province de Québec, qu'on pourrait voir sur la scène mondiale. Il y en a d'autres qui se sont illustrés par le passé au niveau du Québec, mais au niveau canadien, c'est sûr qu'il y en a, évidemment, il y en a beaucoup plus qui sont présents, mais on voit beaucoup des joueurs de la Corée, on va voir des joueurs européens, des joueurs des États-Unis, majoritairement sur les sports de haut niveau, là, à ce niveau-là. Puis ça, c'est des gens qui embarquent dans des tournois, des défis entre participants? Oui, bien, c'est ça. Il y a des équipes qui sont formées. C'est vraiment comme, je vous dirais, comme une organisation un peu comme le Canadien de Montréal. Il va y avoir des équipes qui vont s'en créer. Je vais prendre un exemple de Cloud 9, qui est une équipe américaine, où il y a déjà justement un Canadien, un Québécois qui joue pour eux. Le Québécois, lui, est salarié comme employé, comme joueur professionnel avec cette équipe-là. Et cette équipe-là participe à des événements majeurs tout au long de l'année dans sa discipline. Ça, c'est des émissions qui sont transmises sur YouTube? Ou... Oui, bien, c'est des émissions que les événements sont retransmis sur, effectivement, YouTube ou d'autres plateformes comme pour les joueurs qui vont être Twitch ou, bien sûr, Facebook Gaming. Puis, des spectateurs, il doit en avoir beaucoup parce que... Oui, effectivement. Quand on est rendu avec des équipes professionnelles qui paient un salaire, ça prend des revenus. On parle en 2018 de spectateurs dépassant la quantité de spectateurs qui regardaient le baseball traditionnel américain, là, en 2018. On parle de millions de spectateurs par année et même par mois sur différents événements. Le marché a explosé dans les cinq dernières années. C'est incroyable et ça ne va qu'en augmentant. Il y a un engouement pour ça? Oui, tout à fait. Mais les équipes, il y a des prix probablement, des primes, un peu comme le poker. Oui, oui, ça, il y a des bourses en prix qui sont offertes au niveau des événements majeurs. Puis ces bourses-là sont quand même assez importantes. On parle, mettons, exemple, du tournoi The International, qui est joué à toutes les années sur le jeu Dota 2. Ça, c'est celui qui se joue en Californie? Bien, ça se joue à travers le monde présentement. L'événement va être diffusé à différents endroits à travers le monde à chaque année. Okay, un peu comme les courses de Formule 1. Exactement, c'est ça, un peu ce principe-là. La bourse totale pour tous les gagnants, que ce soit la première jusqu'à la huitième position, dépassait les 30 millions de dollars américains en 2018. De là, l'engouement de former des équipes. Oui. Et... Mais c'est peut-être... on voit des fois des gros prix comme ça, on voit des 30 millions, des 5 millions, des 20 millions, mais on pense que les joueurs de sport électronique ne font que leur salaire avec ça, mais c'est pas vrai. Ces prix-là en bourse qui vont aller à l'équipe vont couvrir à peine des fois 15 à 20 de leurs frais de dépenses annuels. OK. Ces joueurs-là, ils font de la commandite? Oui, bien, c'est ça. Il y a des commanditaires, il y a des supporters au niveau, puis des investisseurs majeurs au niveau des équipes. Souvent, ces équipes-là peuvent être même aussi être achetées par des joueurs professionnels. On regarde, par exemple, un des joueurs de basketball avait justement acheté dernièrement une équipe de sport électronique où ce que son fils évoluait. Il a dit, bien, regarde, moi, j'ai assez d'argent, je la jette, je vous finance, on s'en va là-dedans. OK. Puis je présume que
à Montréal où il y a une concentration de jeux électroniques. Eux autres aussi doivent financer. Bien, les compagnies ils commencent un peu plus à vouloir investir là-dessus, mais au Québec, on est en retard beaucoup sur le domaine du sport électronique. On a beaucoup de développement de jeux vidéo. On a une belle industrie du développement du jeu vidéo ici au Québec. Mais au niveau de l'investissement pour le sport électronique, ça commence à peine. On est 5-10 ans en retard sur bien d'autres pays ailleurs dans le monde. Ouais, on peut peut-être comprendre quand les parents voient leur enfant avec sa tablette ou son téléphone, OK, ils limitent, ils trouvent qu'ils jouent trop. Ça peut être un handicap pour Oui, les sports électroniques. c'est sûr que c'est ce côté-là de tabou un peu de ou ben, t'sais, d'excessif de qu'on voit souvent représenté. Ah, notre jeune il est dans la cave, il est enfermé avec notre tablette, il fait rien, il voit pas de monde. Je vous dirais que dans la dernière année, ça c'est grâce à ça que des fois que les jeunes ont passé au travers de leur pandémie un peu du COVID. En ayant leur socialisation à travers ces jeux-là ou à travers leurs amis, à travers leurs tablettes, leurs liens technologiques en réalité. Ouais, mais les parents continuent à dire, il est tannant, il game tout le temps. Oui. Mais faut pas avoir peur de ça, puis, mais faut bien sûr bien l'encadrer puis bien comprendre ce qui le passionne avec ça. Mais il faut voir c'est quoi le jeu Oui, aussi. Il effectivement. peut pas avoir des jeux de guerre qui sont pas Oui. nécessairement intéressants pour le jeune, là. C'est ça. Ben. Tous les jeux, de façon générale, sont toujours classés par une entreprise canadienne ou américaine qui, au niveau des États-Unis, c'est plus connu avec le ESRB, qui font toujours un classement des jeux. Dire, OK, ben ce jeu-là, il est violent, il est classé pour les 13 ans et plus. Ah, ce jeu-là est accessible pour les 8 ans et plus, ou c'est mention générale. Ou d'autres, c'est mature, 18 ans et plus, il y a trop de violence, il y a trop de sang, c'est trop dangereux. C'est sûr que c'est aux parents à décider après ça de dire, bon, je le donne à mon enfant ou pas. Mais de façon globale, si on regarde les gros jeux de phénomène pour les jeunes, on parle de Fortnite, on parle de Overwatch, on parle de League of Legends, c'est des jeux qui sont accessibles un peu plus à tous, malgré qu'il y a une certaine violence, parce qu'on élimine des joueurs, on tue des héros d'une certaine façon, mais c'est pas sanglant, c'est un niveau compétitif comme on pourrait le voir au niveau des échecs ou autre OK. chose. Mais toi, comme formateur, est-ce que tu choisis les jeux pour les étudiants de cégep? J'ai choisi en partie, effectivement, parce qu'on est soumis aussi, avec la Fédération des sports électroniques du Québec, à certains jeux, bien sûr, qui sont acceptés par la Fédération aussi des cégeps. Oui, c'est sûr que pour avoir une compétition, il faut que tout le monde soit sur le même jeu, là. Exactement. Et pour éviter justement ce genre de problème-là, ben, t'sais, les jeux sont sélectionnés en fonction, effectivement, du développement aussi de l'élève, parce qu'on veut que l'élève développe aussi son côté social, son côté stratégique au niveau du travail d'équipe. Donc, c'est sûr qu'on va favoriser des jeux qui sont travail d'équipe de 5 joueurs ou 3 joueurs ou 6 joueurs selon les jeux. Okay. Le côté social, c'est de cette façon-là qu'il se développe. Oui, tout à fait, parce qu'il faut avoir une excellente communication au niveau du travail d'équipe, puis au niveau de la confiance et du respect de ses coéquipiers au niveau des équipes, là, comme le football pourrait l'être, comme le hockey pourrait l'être. Okay. Parce que je lisais que ça peut se jouer seul ou en équipe. Oui, Ça veut effectivement. dire qu'au niveau du cégep, de Thetford, Oui. toi, comme coordonnateur puis formateur, t'exiges l'équipe. C'est sûr que t'sais, on reste ouvert à toutes les disciplines qui sont de compétition, mais majoritairement, présentement, je vous dirais que toutes nos équipes sont. C'est vraiment purement des équipes, c'est pas des joueurs solitaires. Okay. On disait au Québec 10 à 15 joueurs professionnels. Oui, à peu près. Au Cégep de Thetford, combien d'étudiants? On parle d'à peu près une trentaine d'étudiants présentement qui sont inscrits au programme de sport électronique, présentement plus du côté parascolaire. Le sport électronique au niveau du programme sport-études, présentement, on le développe vraiment beaucoup plus pour l'intégration au niveau de l'automne 2021. OK, il n'est pas encore Bien, il est efficace. lancé, mais c'est sûr qu'à cause de la COVID, on a eu des retards avec l'ajustement du lancement du programme. Fait que donc, le recrutement n'a pas été favorable pour nous à ce moment-là. OK. La COVID. Oui. Alors, c'est pas le télétravail, mais c'est le télé-études. Oui. Est-ce que tu as des formations à donner électroniquement? Oui, ben nous, au niveau du sport électronique au Cégep, c'est probablement l'avantage de ça, c'est que c'est le seul sport au Cégep qui n'a pas arrêté officiellement.
Donc, la Ligue du collégial de sport électronique a continué malgré la pandémie. Puis nous, on a quand même des entraînements deux à trois fois par semaine avec chacune des équipes du Cégep à distance. Eux jouent sur l'ordinateur à la maison, ils se présentent sur nos systèmes de communication et on donne des formations d'une heure ou deux et ont des matchs aussi à réaliser de saison régulière durant la Ligue. OK. Étudiants contre étudiants du même Oui. de la même institution. Ben, pas juste de la même institution, mais de toutes les institutions collégiales au Québec. Au Québec. Oui, bien, mais de ceux sur participants. pas mondialement, Pas pas encore, encore. pas encore. J'espère un jour probablement le faire, mais présentement, les étudiants du Cégep sont inscrits à la Ligue collégiale de sport électronique du Québec. C'est vraiment l'ensemble des écoles, des collèges et des cégeps de la province. Une ligue semblable est en train d'ouvrir en Ontario présentement avec différents collèges ontariens. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir participer à des événements qui sont canadiens ou internationaux si on voudrait s'inscrire en OK. parallèle. C'est le cégep qui Oui, s'inscrirait. exactement. Là, on parle d'une trentaine d'étudiants. Oui. Il doit y avoir eu un contingentement parce qu'il doit avoir. On sait que c'est très populaire, les jeux. Il y a peut-être 200-300 jeunes qui auraient voulu s'inscrire, non? Oui, c'est sûr que tu sais, tout le monde a son jeu, tout le monde voudrait devenir professionnel dans son jeu préféré, mais on n'y va pas avec le contingentement. On y va bien sûr avec la sélection de jeux qu'on offre, puis les participants qui veulent y aller avec ça. Mais on ne contingente pas par rapport au niveau de la performance présentement à ça, parce que tous les jeunes qui veulent participer à ce niveau-là, on est prêt à les encadrer, à leur offrir une progression à leur niveau puis à leur capacité. C'est sûr que pour ceux-là qui veulent pousser plus loin, ben après ça, ils peuvent s'inscrire justement en sport-études. Après ça, avoir des entraînements supplémentaires, avoir des évaluations supplémentaires, du perfectionnement, ainsi de suite. On peut aller plus loin. Mais on ne veut pas contingenter ça de façon serrée. On veut vraiment donner la chance à tous les joueurs de pouvoir progresser à leur niveau. OK. Fait que, il y en avait 30 cette année. Oui. C'était Bon, dû à la COVID, c'est ça. On était avec ceux qui voulaient participer dans les disciplines offertes, là. OK. Puis, il y a sûrement de la stratégie qui s'enseigne. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des. Ça relève de vous? Ça va relever en partie de moi et en partie aussi des adjoints que j'ai avec moi cette année. J'ai deux adjoints qui sont particuliers à leur discipline, eux. Qu'eux autres, eux, vont passer du temps avec chacun individuellement des joueurs, analyser les matchs qu'ils ont joués, regarder les reprises, voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a mal été, comment qu'on peut améliorer les choses versus telle école, versus telle école, comment évoluer au travers de ça. Ah, c'est bon, mais eux autres, ils ont suivi le cours à quel endroit pour être des gens qui sont capables de diriger un groupe d'étudiants? J'aimerais ça vous dire qu'il y a des formations d'entraîneurs de sport électronique. Ils sont en train de se monter, là. Il y a bien sûr des formations d'entraîneurs comme Coach Canada qui se donnent pour la formation pédagogique générale pour que ce soit le sport ou autre chose. Mais au niveau du sport électronique, c'est généralement soit des anciens joueurs professionnels, soit des joueurs de haut niveau qui ont compris une grande, grande, grande partie des mécaniques du jeu ou de la discipline, puis qui sont capables de le verbaliser, de le transférer à un étudiant. OK. Puis ça, l'étudiant qui pratique le sport électronique, Oui. il peut avoir un débouché comme programmeur dans des jeux, dans des compagnies, on parlait de Montréal Oui. tantôt, qui en a quand même, je pense, quatre ou cinq, là, d'installés dans la cité électronique. Des studios de 25 employés et plus à Montréal, on parle de presque 250 studios créateurs de contenu. Mais bien sûr, les joueurs de sport électronique vont pouvoir, bien, soit si, c'est sûr que si c'est leur choix d'aller dans le technique informatique, de développer de la programmation, ainsi de suite, oui. Mais le débouché directement de sport électronique est très large aussi. On peut aller tout simplement comme. On peut aller du domaine de YouTube, faire de la création de contenu. On peut aller aussi au poste d'analyste pour pouvoir justement analyser des matchs, pour pouvoir commenter ces matchs-là en diffusion. On parle aussi peut-être aussi d'être conseiller pour justement ces compagnies de jeux vidéo-là pour dire, OK, ben moi, je connais votre jeu, je connais le domaine, je suis capable de vous donner des conseils pour peut-être améliorer certaines balances au niveau des statistiques de votre jeu. Comment qu'on peut améliorer les choses, puis comment qu'on peut pousser les projets un peu plus loin. OK, ça veut dire que ça, c'est un débouché
qui sert de faire valoir pour Oui, le. c'est vraiment une compétence supplémentaire qu'on rajoute à notre CV un peu en sortant du collégial. Comme autant un joueur de football à son football collégial, ben, il va arriver à l'université, ben, il peut être recruté au nouveau football universitaire pour, mettons, exemple, le Rouge et Or. Fait que, donc, on pourrait très bien voir des étudiants ici sortir des filons de e-sport ici du Cégep de Thetford, puis s'en aller à l'Université McGill pour jouer pour l'équipe de sport électronique à l'Université McGill ou à l'Université Concordia ou ailleurs, même aux États-Unis. Il y a des bourses d'études qui sont offertes pour ça maintenant. OK. Ils portent le nom des filons comme Oui, les autres? tout à fait. Nous, on n'a fait aucune exception par rapport à ça. Il y a certaines écoles qui interdisent d'utiliser leur nom de sport parce que ça relève du socio-culturel pour certaines écoles. Nous, c'est un sport d'élite comme le hockey ou le football, donc ils portent le même nom que les équipes de sport ici au Cégep. Là, le Cégep fait partie de la Fédération québécoise. Oui, tout à fait. Mais il fait-tu partie de d'autres fédérations? Présentement, non. On fait partie de la Fédération québécoise de sport électronique du Québec, puis de la Ligue collégiale de sport électronique. Présentement, c'est sûr que des équipes, on les inscrit dans différents événements, mais on ne fait pas partie de d'autres fédérations officielles canadiennes ou américaines présentement. OK. On parlait que c'était une discipline qui pourrait devenir une discipline olympique. Oui. Est-ce que ça a pris de l'importance, ce côté-là, ou c'est juste des mots encore? Non, c'est pas juste des mots. De plus en plus, on va voir ça. On a vu justement un exemple en 2018, lors des Jeux olympiques de Séoul. Il y a eu une discipline de sport électronique qui a été proposée en démonstration. Et justement, une Canadienne a gagné la médaille d'or à cette discipline-là. Et un Canadien aussi a porté le flambeau en tant qu'ancien joueur de sport électronique lors de ces Olympiques-là. OK. Donc, on voit que l'investissement du comité olympique est vrai vers cette tendance-là, puis on va voir de plus en plus développer le sport électronique au sein des Olympiques, là. Ouais. À Séoul, c'était un peu normal. C'est eux autres qui ont parti le sport électronique. Oui, d'une certaine façon. Mais les prochains Jeux olympiques au Japon, est-ce que ça va être. Je vous dirais que ça risque d'être même encore plus important, même au Japon. Il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises de jeux vidéo qui sont nées au Japon. On parle juste de Nintendo, on parle de Sega, qui sont des noms qui sont mythiques au travers du jeu vidéo, à travers les années et les décennies. Donc, ça ne serait pas étonnant de voir beaucoup d'autres disciplines disponibles au niveau de leurs Jeux olympiques. Est-ce qu'on a des chances d'avoir. On parlait d'une Canadienne, mais on peut parler d'une Québécoise ou d'un Québécois? On pourrait effectivement le voir parce que les équipes, effectivement, sont par pays. Donc, on pourrait voir, mettons, des joueurs comme Philippe Laflamme, qui évolue pour une équipe américaine présentement, mais c'est un Québécois. Donc, revenir ici pour le Canada pour représenter son pays, oui, on pourrait le voir. OK. On disait une Canadienne. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes au Cégep qui pratiquent ou c'est juste habituellement on voit 30 gars, là. Non, Mais là, est-ce qu'il y a des femmes qui non, pratiquent? on a une femme, puis on a une femme de très haut niveau présentement au niveau de notre équipe du jeu Rocket League qui performe extrêmement bien au niveau de l'équipe. Puis je suis très content de voir sa progression depuis les 2 dernières sessions parce qu'elle a participé à la session d'hiver l'an passé et notre session d'automne cette année. Il y a une très belle progression. Puis je suis très confiant qu'elle va évoluer aussi à travers d'autres équipes parce qu'elle a déjà été recrutée par une équipe amateur semi-professionnelle ici au Québec, là. OK, mais il n'y en a pas d'autres. Présentement, non. Mais Elle pourrait servir de locomotive pour Oui. les autres femmes. Bien, on avait eu des intérêts présentement au centre d'études collégiales Lotbinière pour de certaines filles qui voulaient participer, mais OK. présentement, notre salle n'est pas encore prête au centre d'études collégiales de Lotbinière. Fait OK. qu'on est en développement pour l'hiver 2021, là, présentement. Alors, il y aurait des risques qu'il y ait plus de participantes Oui. à Lotbinière Oui. dans la partie du cégep de Thetford qui est à Lotbinière Oui, bien, c'est ça. qu'il y en a ici à Thetford. Moi, je ne serais pas étonné de voir d'ici 2 ans une équipe complètement féminine au cégep de Thetford dans une des disciplines. Je serais confiant de ça. Ah oui? Oui. Les compétitions, on disait que c'est entre les étudiants eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous avez des compétitions avec d'autres cégeps aussi? Oui, ben oui, c'est sûr qu'on s'entraîne avec les autres en interne en tant que tel entre les équipes, mais oui, on joue contre d'autres cégeps. Durant la saison régulière de la Ligue collégiale de sport électronique, on joue contre toutes les cégeps qui sont inscrites à cette ligue à travers le Québec. Qui font partie de la fédération, en fait. Oui, exactement. OK. Puis au point de vue mondial, avec des Français ou non? On a eu, c'est l'an passé, on s'était inscrit à quelques fois à des événements qui étaient américains. On a joué contre quelques universités américaines. On a eu des bons résultats, peut-être pas les meilleurs, mais on a eu quand même des bons résultats lors de ces participations-là.
Quand on joue avec des participants anglophones, le jeu est en anglais ou en français ou il est... Je pense que ça, c'est selon la préférence aussi du joueur et de la compréhension du jeu. On s'entend que nous, bien sûr, on essaie d'offrir les jeux quand même en français, mais la majorité des joueurs compétitifs sont habitués de jouer avec leur jeu En anglophone. anglais, hein? Fait qu'ils ont quand même le choix de mettre la langue qu'ils veulent au Ouais. niveau du jeu. En coréen, ça marcherait pas non plus. Non, je pense pas. Mais de toute façon, c'est rare qu'ils vont avoir à communiquer directement avec l'équipe adverse, autre que pour souhaiter bonne chance ou féliciter les joueurs à la fin de la partie. Donc, leur communication interne entre eux seront bien sûr en français, même si le jeu est en anglais. Bon. On tire sur la fin déjà, Déjà. ça passe vite, hein? Oui. Est-ce que vous avez des éléments à communiquer aux gens qui vont écouter l'émission? Ben, faut pas. L'important, c'est vraiment de ne pas avoir peur du sport électronique, puis il ne faut pas avoir peur d'encadrer son enfant. Hein. On les voit, on a toujours peur de dire, OK, là, il passe trop de temps là-dessus, mais je pense que c'est de comprendre sa passion, puis de juste bien l'encadrer là-dedans. Puis si on veut pousser ça, ben, on peut l'offrir au niveau du service de Tedford, parce qu'il y a des joueurs, nous, on va offrir un encadrement nutritionnel, psychologique, sport, entraînement physique même, parce que. Les vrais professionnels de sport électronique ne font pas que jouer, ils s'entraînent aussi physiquement. Bien, merci beaucoup. Ça éclaire sûrement beaucoup de gens. Oui. On aurait pu continuer à en parler pendant longtemps. Oui. Peut-être que je vous réinviterai. Ça va me faire plaisir de revenir. Bien, merci. Mesdames, messieurs, le sport électronique, si vous ne connaissiez pas ce que c'est, bien là, vous avez quand même une petite idée. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.